invitation pour ton anniversaire. C'est sympa, Lou, mais cette année, mon anniversaire, ce sera sans moi. Hein? Mes parents, le divorce, tout ça, je sens venir le truc. Tu vois, genre, ils sont là, tous les deux, autour du gâteau, à vouloir m'organiser la fête parfaite, et puis paf, ils se mettent à se crier dessus. Je les connais par cœur, tu sais. Tu dramatises pas un chouïa, là? J'ai réservé le meilleur karaoké de la ville. Il y aura un buffet et une fontaine de jus de fruits exotiques. Exotique, ça? Tu as toujours aussi peu d'imagination, mon pauvre Robert. Bon, ok, tu dramatises pas. Un gâteau d'éléphant sous une pluie de pétales de rose. Ah, Mina, tiens, dis à ton père que le karaoké, c'est ringard. Tu ne trouves pas que l'éléphant, c'est pour les bébés? Stop! J'en ai marre d'être au milieu de vos disputes. Et c'est pas la peine de prendre mon anniversaire comme prétexte. Parce que cette année, je ne veux pas de fête. Je veux être tranquille et seule. Enfin, ma chérie! Eh bien, bravo, tu es fière de toi, j'espère. Ma louloute, on ne peut pas forcer les gens à faire la fête s'ils n'en ont pas envie. Mina, on aurait envie si ses parents étaient moins cinglés. T'aurais vu ça, ils sont partis dans une dispute pour une histoire d'éléphant et de jus de fruits. Ah, ils vont se calmer, il faut un peu de temps. C'est comme pour la sculpture. Avec du temps, je devrais pouvoir y arriver. Ouais, mais du temps, là, en l'occurrence, j'en ai pas. C'est demain son anniv, Mina. Il suffit d'un peu d'imagination et on arrive à tout surmonter. Bon, il n'est pas fini, mais il va être superbe. Et puis l'important, c'est d'essayer, hein? Allez, ma vieille, déprime pas comme ça, franchement, tu vas pas rester toute seule, c'est glauque. J'ai Jean-Pascal pour me tenir compagnie, c'est encore plus glauque. Allez, viens à la maison, on se fait une pile de crêpes et on écoute de la musique. T'es partante? Mince, la tuile, mon père va passer à la maison pour me donner mon cadeau. Et ma mère qui a pris son après-midi va débarquer elle aussi. Bon, ça marche pour les crêpes, je leur dis que je suis chez toi. Je ne veux plus les voir et surtout pas tous les deux ensemble. Oh. Joyeux anniversaire, Mina. Ah, tu voulais pas de fête d'anniversaire avec tes parents, alors je me suis dit qu'une petite fête entre nous. Waouh, c'est vraiment super. C'est la première fois que je le fête sans mes parents, ça fait bizarre. T'en fais pas, Mina, ça va s'arranger. Faut leur laisser le temps de digérer tout ça, ça arrive les disputes. Moi aussi, tu sais, bah, parfois je crie fort contre le loup. Il y a d'autres invités? Bah, non, ça doit être Gino et le super gâteau d'anniversaire. Mina est ici, je crois. Désolée, je ne pensais pas jouer les troubles fêtes. Ma chérie, je m'en veux terriblement de m'être disputée comme ça avec ton père au sujet de ton anniversaire. Qu'est-ce que je pourrais faire pour que tu me pardonnes? Si je peux me permettre, j'ai une super idée. Vous n'avez qu'à utiliser le super truc dont on se sert, Lou et moi, pour se réconcilier. Le gage musical. Efficacité garantie. Mais faut vraiment être prête à tout. Je suis prête à... tout. Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, ou comme Cestui-là qui conquit la toison, et puis est retourné plein d'usage et raison, vivre entre ses parents le reste de son âge. Super! Ouais, ouais. Le flow est poussif, c'est pas en rythme, mais bon, t'as fait de ton mieux. Allez, tu peux rester, tu es pardonnée. Bon anniversaire, ma petite fille. Enfin, ma grande fille, devrais-je dire. Après MC Joss, la maison vous propose un grand tournoi du jeu le plus formidable du monde dont je suis la record woman intergalactique avérée. J'ai nommé le Twister. Buongiorno, vous venez pour la fête d'anniversaire? Une fête? Quelle fête? Ma, c'est fantastico! J'ai une monde de fou au restaurant, je vous confie les tiramisu, ciao! Une fête d'anniversaire? Lou, bellissima! Si, le tiramisu est prêt, je viens juste de le donner au papa de Mina. Au papa de Mina? Main droite sur verre! Richard, tu viens chercher le gâteau avec moi? Robert, le père de Mina, arrive. Il ne doit pas voir Joss. Sinon, ils vont encore se disputer et Mina aura le pire anniversaire de toute sa vie. Alors tu vas dans ton appart et tu le décores. On va faire une deuxième fête d'anniversaire. Mais on fera croire à Robert qu'il n'y en a qu'une seule. Et je vais tout faire pour le retarder. Allez, go, go! Robert! Oh, quelle bonne surprise! Comme cette fête d'anniversaire. On y va? J'aimerais voir Mina. Vous savez ce que m'a raconté Mina un jour? Il paraît que pour l'anniversaire de ses 4 ans, vous lui avez offert un... Sauf qu'elle n'a pas compris, normal, elle avait que 4 ans. Mina m'a aussi raconté la fois où vous étiez partis au bord de la mer tous ensemble et que vous avez voulu lui apprendre à nager. Il faut dire que vous étiez un sacré père. Et ce jour où... Et ce jour où... Bon, ben alors on y va à cette fête d'anniversaire ou quoi? En avant! Hein?
Vous avez déjà vu quelqu'un d'aussi souple? Non, c'est par ici. Ma jambe, elle, elle est pliée à l'envers, non? Mais c'est la voix de ta mère, non? C'est que... elle est prof de yoga maintenant. Elle nous rejoint après son cours. Ah! Une crampe! Je sens plus ma jambe! C'est original. Oui. Oui, j'ai donné tous les documents à Edwige avant de partir. Je retourne en face. Comment ça? À tout de suite. Ne me laisse pas tout seul. Je n'ai rien à lui dire, moi. Il a l'air grognon comme ça, mais quand tu le connais mieux, il est toujours aussi grognon. On s'y fait. Ma jambe, surtout ne pas céder. Continuez. Main gauche sur jaune. Mina? Pied droit sur le bleu. Qu'est-ce qui se passe? Mina, c'est la cata. J'adore ce jeu. Bon, j'abandonne. Trop forte, ta mère. C'est quoi ces messes basses? Il ne faut pas que mes parents se rencontrent, sinon ils vont croire qu'on a tout organisé dans le dos de l'autre et ça va être la guerre. Qu'est-ce qu'il y a? On ne joue plus? Vous, vous me cachez quelque chose. Allez, poussez-vous. Mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est que... il est très mauvais perdant, alors il est retourné chez lui. On aurait dû lui présenter Robert, alors. Pardon, ma chérie, je vais arrêter de parler de ton père comme ça. Essaie toujours, mais tu sais, je ne suis pas en sucre. On refait une partie? Tu viens? On a évité la catastrophe. C'est quoi la suite du programme? Trouve un moyen de faire diversion. Joss doit rester ici pendant qu'on va à l'autre fête d'anniversaire. Il faut faire vite. Je sais pas combien de temps Richard va tenir avec Robert. Vous travaillez dans la pub? Vous vendez des disques? Je prépare aussi une thèse sur les fabliaux italiens du Moyen-Âge. La poésie. Je me suis toujours demandé à quoi ça servait. Ah, ça. Bon, alors, pour le gâteau, pendant que tu allumes les bougies, nous, on s'occupe de Mina. Quand tu entendras le mot secret, tu viendras nous retrouver. Ce mot, c'est... turboréacteur. Joss, eh oh, tu m'écoutes? Quoi? Oui, oui, j'ai compris, turboréacteur. Vas-y, vas-y, je te rejoins. Je ne peux pas laisser cette chambre dans un état pareil. Yes! Une fête d'anniversaire! Cool! Mina, aujourd'hui c'est ton anniversaire. C'était pas très sympa que je me dispute avec ta mère. Excuse-moi, je suis prêt à tout pour me faire pardonner. À tout? Vraiment? Cherche pas à comprendre. Quand tu recevras un texto avec le message Go, fais le plus de bruit possible. Richard, tu veux bien être le coach de mon père pour son numéro? Et comme ça doit être une surprise, on vous laisse répéter tranquille. Bah alors, maman, qu'est-ce que tu fabriques? Ma chérie, j'ai honte. Mais Emma a été tellement gentille d'organiser ta petite fête. C'est mieux comme ça, non? Allez, hey, on passe au gâteau et au cadeau? Un numéro musical, mais qui lui a mis ce genre d'idée en tête? Je ne sais ni chanter ni jouer d'un instrument, moi. Allons, allons, c'est peut-être juste que vous n'avez jamais essayé. Allez, soufflez là-dedans. Bon, je vais vous montrer. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Mina. Tu ouvres tes cadeaux? Il fait agenda et organiseur électronique. Je vais le découper. Maman, empêche-la de toucher au gâteau, on en a besoin pour chez Richard. Mina, remballe les cadeaux tout de suite et il faut trouver une nouvelle occupation à ta mère. Je n'arriverai jamais à faire un numéro. Je n'ai aucune fantaisie. Je n'ai pas de passion à part mon boulot. Je suis très ennuyeux. Étonnant que ce se soit mal passé avec ma femme. Mais Jean-Pascal, bon sang, j'aurais juré entendre mon chien. Vous savez, il arrive que pendant une rupture, on ait parfois des hallucinations auditives. Ça m'est arrivé. Foutaise. Ah, mais si, je vous promets. Ça a commencé un jour où il pleuvait. Je me souviens, j'avais décidé d'aller au zoo. Sono tanto contento per la bambina Mina. C'est tellement mieux malgré sous séparazione d'être venu avec son marito. Quoi? Robert est ici?
Allô, Lou? Oh. Bon, et si on laissait à Robert le temps de peaufiner son numéro, hein? Mais pas de mais. Allez, bon travail. Peaufiner le numéro? On n'a même pas commencé. Faucon rusé? Mouflon espiègle? Où est Robert? Vous vous êtes bien fichu de moi. Oui, mais tout cela ne serait jamais arrivé si papa et toi étaient un peu plus civilisés et si vous pouviez passer plus de 5 minutes sans vous disputer. C'est vrai, mais je me suis déjà excusée et... Ne me dis pas que Robert est chez Richard. Et ils ne se sont pas encore entretués? Racala, rigola, eureka. Masmola, Rikita, Karamba! C'est ça votre numéro? Non, c'est la danse rituelle du camp de scout où Mouflon Espiègle et moi avons passé tout un été. Le même camp de scout, vous vous rendez compte? Rentrez, louloute, tout va bien? Ah, tout va mal alors. Quoi encore? Si tu m'expliquais. Tout ça, c'est de ta faute. Ah, mais j'y suis pour rien, moi. J'ai rien fait, je te jure, je... Non. Attends, qu'est-ce que c'est qui est de ma faute au juste? Mon rendez-vous au cinéma avec Tristan, fichu, voilà ce qui est de ta faute. Mais t'imagines pas l'énergie que ça m'a demandé d'organiser ce rendez-vous, j'ai dû déplacer des montagnes. Bref, on se décide à aller voir le dernier film de Carlo Girotti, là, celui qui était Monsieur Univers. Et là, paf, j'arrive en retard. Évidemment, Tristan était déjà parti. Bon, c'est pas de bol, mais j'y suis pour rien, moi. Je vais te rafraîchir la mémoire. Souviens-toi. Ben, moi, j'y vais. Qu'est-ce que t'as? Je vais mourir. Ça peut pas attendre 2 heures? Non. Mon ventre. Va à la pharmacie me chercher un... n'importe quoi contre le mal de ventre. Mais c'est que j'ai rendez-vous au cinéma, là. J'ai mal. Ok, j'y vais. Tiens, voilà, tu prends ça et dans 5 minutes, adieu le mal au ventre. Merci, ma louloute. Heureusement que tu es là, parce que franchement... Enfin bref, c'est clairement à cause de toi que j'ai raté l'heure du rendez-vous. Tristan doit m'en vouloir à mort. Je n'oserai plus jamais lui parler. Ma vie est fichue. Oh, dis, excuse-moi d'avoir frôlé la mort, hein. Et en plus, c'est à cause de cette maudite pizza. Quelle pizza? Et hop,
De manger, il est temps, jeune Jedi. J'adore quand tu imites Yoda. Trop sexy. Pizza il y a. Qu'est-ce que c'est que ça? J'avais demandé une 4 fromages, pas une Vésuvio. Tu veux dire que c'est la faute de Richard? Ah non, j'ai pas dit ça. Mais après réflexion, oui, en fait, c'est entièrement de sa faute. Salut, Lou. Qu'est-ce qui t'amène? La colère. Comment ça? Tu sais que t'as failli tuer ma mère? Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Oui, bon, elle va mieux, hein, mais t'as bien failli l'anéantir avec ta pizza Vésuvio. Chorizo, harissa, sauce chili. Ben voilà! Elle ne supporte pas les plats épicés, t'étais pas au courant? Non, elle me l'a jamais dit. Et que je sache, elle l'a bien mangée, cette pizza. Pizza il y a. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? J'avais demandé une 4 fromages, pas une Vésuvio. Si tu veux, je peux la changer. Maman, pourquoi tu l'as mangée, cette pizza Vésuvio? Ouais, c'est vrai, ça. Pourquoi? Bah, à cause de mamie. Tu ne t'en souviens pas? Allons bon. Et qu'est-ce qu'elle vient faire là, mamie? Bah, qu'est-ce que c'est que ça? J'avais demandé une 4 fromages, pas une Vésuvio. Oh zut, celle-là, c'est celle de Monsieur Verdier. Si tu veux, je peux... Allô? Ah, maman. Non, je n'ai pas enregistré la clinique de la Forêt Vierge. Bah, si, en fait, on allait se mettre à table. Non, pas avec Lou, avec Richard. Richard, comment? Maman, tu ne vas pas recommencer. Mais où tu veux que je trouve de l'antilimace bio en pleine ville? Tu ne peux pas demander à Monsieur Chassagne? Oui, je sais bien que c'est un malotru, mais... Bon, ok, rappelle-moi plutôt demain. Je t'embrasse. Ça va? J'ai pas été trop longue? Si tu veux, je peux la changer. Pas le temps, après un coup de fil de ma mère, tout me semble doux comme du miel. Alors si je comprends bien, c'est de la faute de mamie. Ok, je l'appelle. Elle va m'entendre, hein. Où est le téléphone? Non, ne la dérange surtout pas maintenant, c'est l'heure de son feuilleton. Tant pis, que justice soit faite. Justement, ce serait injuste. C'est quand même pas mamie qui s'est trompée de pizza. Pizza il y a. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? J'avais demandé une 4 fromages, pas une Vésuvio. Oh zut, c'est celle de Monsieur Verdier. Oui. Monsieur Verdier. Qu'est-ce que c'est? C'est Lou, Monsieur Verdier. J'espère que ça n'est pas pour la loterie du collège. La dernière fois, j'ai gagné une entrée pour la fête du bois et je suis resté coincé sur la grande roue. Non, c'est juste pour une petite question. Est-ce que vous avez acheté une pizza chez Gino ce midi vers 12h30? 12h33 pour être plus précis, mademoiselle. Je le sais car j'ai raté le début de mon feuilleton. Et là, je lui ai sorti ma blague favorite. Dis donc, ma pizza Vésuvio, vous la faites venir de Pompéi ou quoi? Elle arrive, signor Verdier, presto subito. Et voilà! Une Vésuvio et une quattro fromaggi per il signor Richard. Mais alors, c'est pas vous qui avez pris la mauvaise pizza? J'ai pris la pizza que Gino m'a donnée. D'ailleurs, il s'est trompé, je ne manquerai pas de le lui dire. Mon pauvre Boubou ne digère pas la 4 fromages. Pas vrai, Boubou? Gino! Ciao, Bella! Que puis-je pour toi, cara mia? Me donner des explications. Pourquoi tu as donné la pizza destinée à Richard à Monsieur Verdier, hein? Je me suis trompé des pizzas? Oh, porca miseria! Oui, et du coup, ma mère a été malade. Un momento! Après réflexion, non è colpa mia! Comment ça, pas de ta faute? Bah alors, tu le sais ou tu le sais pas? Excusez-moi, mia bambina, mais il y a du travail, tout ça! Et donc, ma pizza Vésuvio, vous la faites venir de Pompéi ou quoi? Si, elle arrive, signore Verdier! Presto subito! Alors comme ça, Mina était dans la cuisine avec toi? Si, elle est venue me poser une question alors que j'avais un sacco de gente dans mon restaurant. Quelle question? Je ne m'en souviens plus, il y avait la tête comme une pentola. C'est pour ça que je me suis trompé des pizzas. Mina? Salut? Entre. Salut?
il y a un souci? Oui, j'aimerais savoir pourquoi tu as dérangé Gino pendant qu'il préparait ses pizzas. Allez, réponds. Oui, je voudrais bien savoir pourquoi. Eh, hey, dis donc, du calme. Primo, je ne vois pas où est le problème. Et secondo, j'avais un truc crucial à lui demander. Mina, je vais commander le déjeuner. Carlo Girotti, il est de quelle nationalité? Je ne sais pas. Japonais ou libanais? Carlo Girotti, libanais? Non, le déjeuner. Tu veux manger japonais ou libanais? Mais je m'en fiche! Je veux juste savoir si Carlo Girotti est italien ou pas. Et sur le web, c'est n'importe quoi. Ils disent tout et au contraire, c'est dingue, ça! Ma chérie, voilà une excellente occasion de t'instruire et de t'ouvrir aux autres. Je te conseille d'aller à la rencontre d'une personne d'origine italienne et de lui poser ta question. Oh, Gino! Super idée, maman! Allez, je fonce! À plus! Profites-en pour ramener des pizzas. J'en prendrai une au tofu. Mais alors, c'est la faute de ta mère. Mais c'est quoi cette histoire de faute? Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Ta mère t'a dit d'aller voir Gino. Là, tu as embrouillé Gino qui s'est trompé de pizza. Et à cause de ça, j'ai raté mon rendez-vous au ciné avec Tristan. Parce que du coup, maman a eu des crampes d'estomac après avoir mangé la pizza Vésuvio de Monsieur Verdier à la place de la 4 fromages de Richard. Bon, bref, sans parler de mamie qui a téléphoné et qui a tout compliqué. Ma mère n'y est pour rien. J'ai plutôt l'impression que c'est la faute du pari. Quel pari? T'as déjà oublié? J'en reviens pas! Tu crois vraiment que les pigeons descendent des dinosaures? On descend bien des singes. Ouais, mais quand même. Au fait, je t'ai pas dit, j'ai invité Tristan au ciné cet après-midi. Ah, c'est pas trop tôt. Et vous allez voir quoi? Mission Delta 2, c'est Tristan qui a choisi. C'est avec l'acteur italien qui a été Monsieur Univers, Carlo Girotti, tu connais? Ouais, tu parles d'un romantisme. Au passage, je te signale que Carlo Girotti est américain. Hein? Non, j'en suis quasi sûre, il est italien. D'origine peut-être, mais il est né à New York, sûre et certaine. On parie? Bref, si je suis allée voir Gino, c'est à cause de ton stupide pari. Mais alors, ça veut dire que... Que tout est de ta faute, eh oui. Il est italien, Carlo Girotti? Islandais. Il est né à Reykjavik. C'est Tristan. Il doit être furieux. J'y vais. Allô? Lou, ça va? C'est Tristan. Je t'appelle pour m'excuser. De quoi? Bah, tu sais bien, d'avoir raté notre rendez-vous au ciné. Toi aussi? Comment ça? Ben, tu sais, quand tu m'as appelé pour me demander si Carlo Girotti était bien italien, j'ai voulu regarder sur Internet. Je sais pas s'il est italien, mais je vais vérifier. Oui, ok. À tout à l'heure au cinéma. En fait, j'ai rien trouvé sur Carlo Girotti, mais en surfant, je suis tombé sur des vidéos marrantes. Du coup, j'ai pas vu l'heure passer et j'ai loupé notre rendez-vous. Je suis arrivé en retard au ciné et t'étais plus là. Je suis vraiment désolée. Tu m'en veux pas trop? Non, je t'en veux pas. Parce que, au fond, pour tout te dire, c'est pas vraiment ta faute. Ah bon? Bah non. Et en plus, j'aime pas trop les acteurs islandais. Quoi? Rien. Ça te dit, un tour? Au parc? Ah bah oui. Génial. J'avais peur que tu me fasses toute une scène. Une scène? Jamais de la vie. C'est pas mon genre, hein. Allez, à tout de suite. je vous laisse, hein. Ce coup-ci, je fonce, hein, avant que vous fassiez tout pour me faire rater à nouveau mon rendez-vous. Allez, bye. We'll be right back.
eh ben, c'est rigolo, toutes ces vieilles photos. Tiens, c'est qui sur celle-là? Mes copines de fac, Amélie, Nolwenn et Claire. T'as vu? T'es aussi sur la photo. C'est chouette, ces souvenirs. Je viens de me rendre compte que je n'en ai aucune de Richard. C'est dommage. Ben oui, d'autant plus qu'il fait carrément partie de notre vie maintenant, non? Salut. Salut. T'es prête? Oui. Tu m'attends une seconde? Je vais chercher mon sac. D'accord. Je me dépêche, hein. Là, c'est Lou à 6 mois. Elle faisait ses dents. La pauvre. Ça lui provoquait de monstrueuses éruptions de boutons sur les fesses. Regarde-moi cet eczéma. Oh non. Louloute? Allez, sors de là, quoi. Vous parlez vraiment à cette grosse caisse, là? Quoi? Mais non, d'abord, c'est une malle. Et ensuite, je parle à Lou. Elle se plante toujours là-dedans quand elle a un souci. Ah, bah c'est tout à fait normal. Bon, bah moi, je crois que je vais y aller, là. Attends, vous deviez pas aller vous balader tous les deux ou un truc comme ça? Lou, faut que tu réagisses. Tristan s'en va sans toi. Quoi? Mais il est venu dans la chambre? Bah, oui. Il a compris que j'étais dans la malle? Bah, oui. La honte. Bon, ok, Tristan a vu tes fesses quand tu étais bébé. Et alors? C'est pas grave, c'est même plutôt mignon. L'eczéma, c'est pas mignon. En plus, il a découvert que je suis une dingue qui s'enferme dans une malle au moindre petit souci. Bah, tu sais, à la télé, on en voit tous les jours des gens un peu zinzin. Il peut comprendre. Ouais, t'as raison. Déjà, je pourrais lui expliquer que j'ai plus de boutons. Et pour la malle, je pourrais lui dire que c'est une habitude bizarre, mais que j'essaye de me soigner. Et si tu en profitais pour arrêter vraiment? Arrêter la malle de la honte, carrément? Ben ouais, je pourrais essayer. Tiens, dis-moi, on dirait pas ta malle, là? Hein? Oh, mais... Si! Hé, arrêtez! Il se fait la malle! Oui, ben maintenant, va falloir que tu t'en passes d'un seul coup. Non! Un type a emporté la malle! Déjà? Ça a pas traîné? Tant mieux. Regarde, j'ai retrouvé mon vieux polar. Comment ça, tant mieux? Tu veux dire que tu l'as volontairement bazardé? Notre malle? Ah oui. Après ce qui s'est passé avec Tristan, je me suis dit que c'était le bon moment pour s'en débarrasser. T'es pas d'accord? Non! Mais ça va pas, t'es dingue ou quoi? Je voulais essayer mon flash. Ah, zut, raté. C'est normal, toutes les photos de moi sont ratées, ça doit être une malédiction, il y a toujours un truc qui cloche. Je ne crois pas aux malédictions, je crois à la technique, moi, monsieur. Je te parie un resto que je peux réussir une bonne photo de toi. Ouais, une bonne photo ratée. Bon, sois objective. Qu'est-ce qu'elle avait de spécial, cette malle, à part que tu te cachais dedans? Objectivement, rien et tout à la fois, elle a toujours été là. C'est comme un ami d'enfance qui s'en va. C'est comme si j'avais perdu mon doudou, quoi. Je te comprends. Moi aussi, j'ai perdu mon ami d'enfance. Ah oui? C'était un vieux réveil matin. Je l'aimais bien, il faisait tic-tac, tic-tac, ouais. Ça me rassurait la nuit. C'était bien. Mais un soir, ma mère a décidé de le jeter. Hein? Pourquoi? Parce qu'il retardait. Je suis désolée, ma grande. Tu sais quoi? Ça ne sert à rien de se morfondre. Il faut que tu passes le cap et je suis là pour t'aider. Hein? Allez, on y va? Ça changera quelque chose si je te dis que ça ne changera rien? Ça va être parfait. Allez, un petit sourire. Encore. Mais pourquoi tu te crispes direct à manger du ciment? C'est comme ça à chaque fois que je vois un appareil photo, c'est plus fort que moi. On va changer de méthode. Tu vas dire oui, Titi. Oui, Titi? Oui, enfin, si ça te plaît pas, essaye avec un autre singe. Babouin. Je te l'avais dit, c'est une malédiction. Ils sont frais, mes poissons empaillés, ils sont frais! Véritable lingot plaqué or! C'est ça, ton idée pour surmonter ma peine? Une brocante? Mais oui, tu vas trouver un nouveau doudou. Moi, par exemple, j'ai remplacé mon réveil matin par Jean-Pascal. Tu l'as trouvé dans une brocante? Ça explique sa drôle d'odeur. Mort de rire.
Bref, t'as qu'à choisir un objet dans toute sa vieillerie et hop, le tour est joué. Une affaire, oui. Mina, ça marche pas comme ça. Essaie, tu n'as rien à perdre. Cerf, roller, planche à voile, patin, roulette, tout pour vous déplacer sans dépenser un centime d'essence. Profitez-en. Solide Sibérie, garantie, sans radioactivité. Offrez du bon et du beau, offrez des fleurs en sucre. Regarde, hein? Là, hein? Je le reconnais, c'est le chauffeur de la camionnette. Qu'est-ce qui te fait croire que ça va marcher? Si tu ne sais pas à quel moment je prends la photo, tu auras forcément l'air naturel. Détends-toi, fais comme si je n'étais pas là. Oublie l'appareil, laisse-toi aller. Comment veux-tu que je l'oublie? T'arrêtes pas de me tourner autour. J'ai une idée. Tu avances normalement le long de l'allée et moi, je vais prendre la photo au moment où tu t'y attendras le moins, ok? Bon sang, pourquoi t'as crié? J'ai pas pu m'en empêcher. J'ai plus de pellicule. On dirait que je viens de gagner un resto, non? Minute, papillon. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Viens avec moi. Je ne l'ai pas volée, t'as mal. Elle était sur mon trottoir, ok? Et vous l'avez ramassée, je vous ai vu. Elle était sur la voie publique. Si tu voulais la garder, il fallait pas l'acheter. Je ne l'ai jamais jetée. Wow, du calme, le problème n'est pas là. Où est-ce qu'elle est, cette malle, maintenant? Je l'ai vendue à un vieux type bizarre. Il était content. Ça faisait 30 ans qu'il cherchait une malle comme ça. Et vous connaissez son nom? Oh, ben non, désolé. Oh, c'est fichu. Je la reverrai jamais. Si tu veux une malle, je peux t'en proposer une autre et en meilleur état. Alors? Vous n'auriez pas la taille au-dessus? Bon, là, il n'y a personne derrière l'objectif, hein? Du coup, tu n'as aucune raison d'être crispé. Mais alors, ça marche pas? C'est malin, t'as tout gâché. Et en plus, pour une fois, j'étais bien. T'as tout fichu en l'air avec ta face d'huître. Merci, sympa. J'ai peut-être une face d'huître, mais toi, tu es aussi photogénique qu'un plat de nouilles. Ça suffit, assez joué. Primo, je ne suis pas top modèle. Et secondo, j'ai autre chose à faire. Alors, ciao! Salut. Salut. Ben alors, les filles, vous en faites une tête? J'ai perdu mon doudou. Un nounours? Non, une malle. Une malle? Ah, ben ça c'est cocasse. L'ancien vient d'en ramener une chez lui. Il n'y a pas une heure. Il a fait un raffut de tous les diables en la montant. Effectivement, je viens de l'acheter à la brocante. C'est la mienne. J'avais aucune envie de m'en débarrasser. Il faut me la rendre. Bien. Et comme disait mon ami James Lowell à Houston, on a un problème. Les choses sont appelées à évoluer. C'est une des 12 vérités de l'univers et c'était le destin de cette malle depuis 30 ans. Quand vous dites évoluer, vous voulez dire désintégrer? Non, évoluer veut dire renaître sous une forme plus adaptée. Quelle forme? Impossible à prévoir, mais tu me remercieras lorsque les lémuriens seront repoussés dans les ténèbres extérieures du Yogg-Sothoth. Eh, vous prenez des photos de tous les habitants de l'immeuble? Affirmatif, depuis 1865. L'immeuble n'était pas encore construit? Si. Enfin, pas dans notre dimension, bien entendu. Ah bon? Comment tu te sens? Ben, en fait, ça va. C'est bizarre, mais je me sens comme... libérée, quoi. Ben alors, c'est le moment. De quoi? De dire à Tristan que t'as passé le cap, que tu n'as plus besoin de mal, ni rien. Je sais que tu penses que je suis ridicule, mais c'est fini tout ça. Je n'ai plus honte de me cacher, la malle a disparu et c'est pas grave si tu as vu ma photo. De toute façon, maintenant, ça n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est que tu as devant toi une nouvelle loupe. Voilà. Super.
Tu veux entrer? Au fait, t'as vu? J'ai acheté les Solus de Golden Sun. Hey, c'est qui ce petit garçon tout nu assis sur son pot? Tristan, non mais... Merci. Je voulais m'excuser, j'étais énervé tout à l'heure. Tu n'as pas du tout une face d'huître et je veux bien encore poser pour toi, si t'en as envie. Pas la peine. Regarde. Waouh, je suis super bien là-dessus. Comment t'as... C'est un secret. Au fait, pourquoi tu voulais me prendre en photo? Bah, comme tu vois, j'adore avoir des photos des gens que j'aime. Enfin, que j'aime bien, quoi. Elle est rigolote, celle-là. C'est toi, Lou? Là? Non, je me suis jamais déguisée en kangourou rose. Non, je t'en prie, sors de derrière ce rideau. Allez! Non, plus jamais! L'archiponcture de A à Z, qu'est-ce que c'est que ça? L'archiponcture est basée sur l'art ancestral du Feng Shui. C'est une théorie qui établit un parallèle entre les circulations d'énergie dans les maisons et les méridiens du corps humain. Tu veux dire que, par exemple, le salon, c'est la tête, la cuisine, le foie et les toilettes, le... Pas du tout! Ça sert à organiser l'espace pour se sentir bien chez soi. D'après ce livre, c'est même excellent pour l'inspiration. Alors, je me disais que comme ma dernière histoire de Sidera n'avance pas ces jours-ci, je pourrais en profiter pour faire quelques changements dans l'appartement. N'importe quoi. Enfin bon, si ça peut t'aider. Je vais faire un petit tour. À plus. Voilà. Je sens déjà que l'énergie circule beaucoup mieux. Intolérable. Horrible. Épouvantable. Très très laid. C'est indéniablement moche. Excusez-moi, mais vous parlez de quoi là? De ça. Quoi ça? Mes vêtements? Ça fait plaisir. Non, je parle de ça. De votre doigt? Mais non, c'est cette peinture marron qui nous consterne. Qui nous désespère. Qui nous afflige. Qui nous déprime. Venez, on va appeler le propriétaire. Allô? Hein? Charlie? Madame Schurm à l'appareil. Denise, quel bon vent vous amène? Hélas! Le vent de la révolte! Je suis en présence des locataires de l'immeuble qui ont des doléances à vous transmettre. Je suis tout oui. On voulait savoir si, par hasard, il vous serait possible de... faire repeindre l'entrée qui est un peu... défraîchie. On peut se cotiser pour payer les travaux.
Non, non, pas question. Les travaux sont à ma charge, c'est la loi. Mais ne pourrions-nous pas imaginer quelque chose de plus beau, de plus original qu'un simple coup de pinceau? Un marron brillant à la place du marron mat? Pour l'originalité, vous passerez. Je pourrais peut-être peindre une fresque? Excellente idée, j'adore les beaux-arts. Quel serait le thème de votre œuvre? Ben, je sais pas, voyons, par exemple, la collision des corps célestes, ou bien, l'amour entre les peuples. L'amour entre les peuples, j'adore. Vous avez carte blanche. Le salon dégage une meilleure énergie avec le canapé à cette place, tu ne trouves pas? Ben, Ouais, le seul souci, c'est que je ne vois plus la télé. Va falloir corriger ça. Ben oui. Bon, sinon, j'ai une super nouvelle. Le propriétaire de l'immeuble est d'accord pour que je peigne une fresque dans le hall. T'es bloqué. Coucou, j'ai mis le canapé à la place du bureau. Ça sera mieux pour l'inspiration. J'en doute pas. Tu viens à l'inauguration de ma fresque? Elle est terminée? Oui, bien sûr. Enfin, dès que les énergies circuleront parfaitement dans l'appartement et que j'aurai débloqué la porte. Bon, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? On n'a pas que ça à faire, nous. C'est vrai, il y en a qui sont à la retraite. Ça vient, ça vient. Bon sang de bonsoir, ça alors? Nom de Zeus, c'est vraiment très beau. Je confirme, pour un coup d'essai. C'est un coup de maître, on dirait du Fellini, en plus fixe. On peut dire que tu as un sacré coup de pinceau. Ben, merci. Je suis très touchée. Pourtant, j'ai le sentiment confus qu'il manque quelque chose. Pour que ce soit parfaitement parfait. Ah ? Oui, à mon avis, il manque un petit rien pour obtenir une harmonie cosmique totale. Tout à fait d'accord. Il y a comme un petit déséquilibre là, sur la gauche. Il faudrait rajouter un motif. Voyons. Tiens, voilà. Une marmotte. Une marmotte? Quel est le rapport avec l'amour entre les peuples? C'est bien connu. La marmotte, contrairement à l'homme, n'est pas un loup pour la marmotte. Cher ami, j'aime bien votre idée d'animal, mais je verrais plutôt un chien. Un peu comme mon bobo. L'amour que cette espèce porte à l'homme viendrait, comme qui dirait, renforcer l'idée d'amour entre les peuples, non? Et puis, ces silhouettes colorées-là, je ne dis pas, elles sont bien. Mais si elles représentaient des gens connus, on pourrait peut-être mieux s'identifier à un peuple. Et du coup, à l'amour. Des gens connus comme qui? Comme Jean-Paul Kramer, par exemple. Le présentateur télé? Oui, il est gentil avec tout le monde, même avec les animaux. Ouais. Moi, je verrais plutôt un acteur comme Bruce Lee. Et si on ajoutait un cercle de protection kabbalistique, il formerait une véritable barrière d'amour pour protéger les hommes contre les êtres venus d'une autre dimension. Je sais pas, vos idées partent un peu dans tous les sens.
Peut-être, mais comme la fresque se trouve dans les parties communes, elle doit plaire à tout le monde. Bon, ok. Il y a peut-être moyen d'arranger tout ça. On progresse, hein, Jones. On y est presque. Tu sens les bonnes ondes et tout, mais on doit pouvoir faire encore mieux. Et voilà. Ouais, je ne suis pas vraiment convaincu. On s'éloigne un peu de l'amour entre les peuples, il me semble. Oui, là ça ressemble plutôt au kung-fu entre les peuples, non? C'est à cause de Bruce Lee, il est quand même connu pour distribuer des mawashigiri. Vous connaissez rien à la philosophie du petit dragon. Ce sont des mawashigiri métaphoriques. Non, ce qui ne va pas, c'est la grosse marmotte ridicule et le Jean-Paul Kramer. Ben quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait, mon Jean-Paul? Il a pas une tête à prôner l'amour entre les peuples, le Kramer. Ah oui? Mais vous savez ce qu'il vous dit, le Kramer? Allons, 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 s'il vous plaît, un peu de calme. Oh, vous, avec votre affreux boubou, là, c'est pas le moment de la ramener, hein? Ça suffit! Vous avez vu où on en est avec vos suggestions stupides, là? Cette fresque, maintenant, elle ressemble à rien. Alors je vais revenir à mon concept de base. Et ce coup-ci, je veux plus entendre le moindre commentaire. Je me suis bien fait comprendre? Bien, ok. On n'a plus qu'à rentrer chez nous, alors. L'amour entre les peuples, tu parles d'une tyrannie, oui. Une vraie dictature. Et voilà. Parfait. Oh. Ah, Louloute, c'est toi? Ben oui, rendors-toi, je vais dans ma chambre. Mais là, ta chambre, elle est dans la mienne. Vu que la mienne est au salon et que le salon est dans la tienne. Super. Pain au choc ou croissant? Brioche. Ça marche. Bien considéré, c'est pas terrible, terrible. En effet, c'est... comment dire ça avec tact? Légèrement à vomir. Exactement. C'est à cause de ce Jean-Paul Kramer, là. Il ressemble à rien. Si, un Picasso. Vous ne comprenez rien au cubisme, vous, ça se voit tout de suite. Il n'y a qu'à regarder votre boubou, on dirait une poule neurasthénique. Attention, Madame Schurm, la poule neurasthénique pourrait bien finir par vous montrer les dents. Ah oui? J'aimerais bien voir ça. Hey, mais qui a osé m'acculer Bruce Lee? C'est Madame Schurm. Elle déteste le figuratif. Je n'ai pas fait exprès. Même si c'est vrai que votre Bruce Lee est complètement raté. Vous méritez que je vous macule, votre Kramer. Et attendez, regardez ça. C'est chouette, cette couleur. On dirait les croquettes de mon bobo. C'est apaisant, comme un tronc d'arbre dans une vénérable forêt druidique. Comme le flanc des montagnes en été autour de mon village natal. Le marron profond des anciens films sépia. Comme les bons vieux murs de cet immeuble qu'on aime tellement. J'appelle tout de suite Charlie. Ça y est, j'ai enfin arrangé l'appart comme il faut. Bah, elle est où, cette fameuse fresque? T'inquiète, je vais t'expliquer. Tadam! Certes, l'énergie créative circule peut-être un peu difficilement, mais au moins, on peut entrer dans l'appartement, marcher, aller s'asseoir au bureau pour travailler, et ça, c'est de la bonne archipuncture. Dans la vie, il y a des jours comme ça qui ne servent à rien, non? Si.
Salut Richard, maman est sous la douche. C'est toi que je viens voir. Tu sais que ce soir, les icebergs de Fleckefjord jouent contre les caribous de Novokouznesk en finale de la Coupe du Monde de curling? Ben, c'est gentil d'avoir pensé à moi, mais en fait, j'ai déjà autre chose et... Rassure-toi, tu n'es pas invité. Hein? J'y vais avec mon neveu de Superchevel. Pépo? Oui, il arrive par le train de 12h30. Mais je dois bosser au magasin. Je me disais que... Que je pouvais aller le chercher et m'occuper de lui cet après-midi? Oui. Ça marche. Super sympa, Lou, merci. Y a pas de quoi. Eh, tu te souviens de Pépo, le neveu de Richard? Il est de passage en ville. Je vais faire guide touristique cet après-midi. Tu viens avec moi? Impossible. Tristan m'a invité à faire une partie de jeu de rôle. Tristan t'a invité à quoi? À faire un dragon et donjon. Un jeu de rôle à l'ancienne avec des papiers, des dés et tout ça, quoi. Il savait que j'étais fan, alors... T'appelles qui? Tristan. Moi aussi, je veux jouer à votre jeu de rôle, là. Jeu de rôle. Tu sais, ma louloute, si tu ne connais pas les règles, tu risques de t'embêter un peu. Ça va, je suis pas complètement débile. Je peux les apprendre, les règles, et puis tu m'aideras. Bah, ça me serait difficile. Dans le jeu de rôle, c'est le personnage que tu joues qui décide des choses. Ça s'appelle le roleplay. Allô? Ah, salut, c'est moi. Dis, je me demandais si pour le jeu de rôle, si je peux m'incruster. T'es rôliste, toi aussi? Hein? Ah, oui, je connais bien wagon et donjon. Dragon. Ben oui, je sais, c'est une petite blague de rôliste, mort de rire, hein. Bon, écoute, si tu veux que ma mère vienne, moi je viens aussi, c'est un lot, à prendre ou à laisser, c'est comme ça. Dans ces conditions, j'accepte. Ok, super, t'es un amour. Et voilà. Et Pépo? Oh, salut, tu vas bien? Ouais, super, dis, qu'est-ce que tu dirais de passer l'après-midi avec un garçon super sympa? Pépo, je suppose. Salut. Moi, c'est Mina. Lou a un empêchement, elle ne pourra pas être avec toi cet après-midi. Ah, ok. Bah, elle aurait pu me prévenir tout de même. Me passer un coup de fil pour me dire qu'elle m'envoyait une vague copine. Eh oh, ça va, on se calme. Mais d'abord, je suis THE copine. Nina, c'est ça, hein? Mina avec un M comme dans mufle. Sympa, le comité d'accueil. Un garçon super sympa. Bon, on va commencer par se présenter. Allez, tour de table. Je suis Grim, magicien niveau 11, chaotique neutre, mais sympa quand même. Mi-nain, mi-humain, mes communautés m'ont injustement repoussé, mais j'ai été recueilli par Nartawak, la semi-liche vampire de la presqu'île de Kaar, qui m'a appris tous ses secrets. Ok, Gilles. Eh, c'est quoi ce délire? Il a pété un plomb, Gilles, ou quoi? Non, il est dans son personnage, c'est ça le roleplay. À toi, Léo. Je suis Olaf Darkström, paladin niveau 15, loyal, bon, évidemment, humain, géant roux au cœur d'or. J'arrive des contrées du Grand Nord et ma hache à double tranchant sert deux causes, la justice et... la justice. Tu l'as dit deux fois? Exact, mais j'ai deux tranchants. Je suis Kernael de Gorfenek, elfe guerrière chaotique, bonne, de niveau 13. Archère aussi belle que redoutable. Mon village a été rasé par les sbires de Stog le Maudit. J'ai une vengeance à accomplir. Oui, abat Stog le Maudit. Ben, et moi alors? Comme tu n'as pas trop l'habitude, tu seras Griboulette, une gnome voleuse de niveau 2. C'est quoi un gnome? C'est comme un nain, mais plus petit, et puis sans barbe. Les gnomes, c'est vraiment de la vermine. Du calme, Kernael. Je sais que les elfes et les gnomes se détestent, mais pas de racisme. Alors, t'as prévu un truc pour déjeuner? Pizza, ça te va? Super raffiné. C'est ça ou la diète? Griboulette vous a montré le chemin de la citadelle de Zorbinel. Là, vous devez vous emparer du grimoire d'Arnaquant pour contrer la malédiction de Stog le Maudit qui a promis la mort et la misère dans les 9 comtés du royaume de Krull. Vous approchez de la citadelle, mais le pont-levis est gardé par 5 gargouilles vampires. Griboulette, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, je vais leur jeter des pierres. Eh, hey, roleplay les gars, on est en donge. Griboulette peut faire ce qu'elle veut. C'est parti. Ah.
Ok, je lui lance une pierre. Très bien, vas-y. Lance un D20. 2 plus 3 bonus, ça nous fait 5. C'est quoi ton taco? Quoi? Ok, 20. Ça nous fait CA8. Raté. Et 6, 11, plus 3 de magie, 14, plus 2 de force, 16, plus 3 de spécialisation, 19 dans les dents de la gargouille. Tu l'as eu. Bien joué, Kernael. Je viens encore de prouver la supériorité des elfes sur les gnomes ridicules. Alors, vous avez décidé? Une salade toscane sans lardons ni anchois, mais avec des capres et de la pancetta, et la sauce dans un bol à part. Hein? Ben, moi aussi, c'est exactement ce que je voulais prendre. C'est marrant, ça, hein? La voie est libre! La porte de la citadelle est devant vous. Qu'est-ce que vous faites? Montre-nous tes talents, Griboulette. Ouvre-nous cette porte et surtout, n'oublie pas de détecter les alarmes. Vas-y, jette 2 D10. 43, bon, ok. Tu ne détectes rien. Ah, tant mieux. Bon, ben, j'ouvre alors. J'avais détecté aucune alarme! Bah oui, mais t'as raté! Quel boulet, ce gnome! Hé! Hey! Bon, maintenant vous entendez des pas, des squelettes rapiques! J'ai une idée complètement dingue. Si on se parlait, c'est triste les repas silencieux. Ok. Lance un sujet de conversation. Alors moi, déjà, j'aime le ski, l'odeur de la sciure, les images au ralenti dans les documentaires animaliers et les bonbons au goût très chimique. Et toi? La danse contemporaine, l'odeur des vieux livres, la coiffure du mec de téléachat et le mot polystyrène. J'oubliais, j'adore les westerns aussi. Ah, quel genre de western? Bon, vous avez bien bossé. Griboulette, tu peux venir, il n'y a plus d'ennemis. Vous avancez et vous arrivez au pied du donjon maléfique. Mais là, pas de porte. Que faites-vous? On n'a qu'à faire grimper la gnome. Comme ça, arrivée en haut, elle nous lancera une corde. Enfin, et si elle y arrive? Nia, nia, nia. Je vais te montrer. C'est bon, Griboulette. Tu peux commencer à grimper. Oula! T'as failli t'écraser. Lance un nouveau le dé, attention, fais pas un trop gros chiffre. 95, ah, pas de bol, tu tombes dans le vide. Oh non! Non seulement elle est gourde, mais en plus elle est maladroite. Génial, Kernael. Faut bien l'aider, cette pauvre Griboulette, toute seule, elle n'arrive à rien. C'est ce qu'on va voir, on peut jouer là? Je grimpe, j'arrive en haut du donjon et je déroule une corde. On aurait mieux fait de prendre un orque avec nous. Les gnomes, ils ont deux mains gauches. Bah, c'est-à-dire qu'elle est seulement niveau 2. Tu m'étonnes, elle n'a même pas d'arme digne de son. Et ben justement, j'ai une dague. Et tu peux pas faire ça? Je vais me gêner. Hey, roleplay les gars, ok? C'est donjon, je peux faire ce que je veux. La rivière rouge, c'est bien, mais Rio Bravo, c'est mieux. Je préfère largement la prisonnière du désert. Tu m'étonnes, c'est un pur chef-d'œuvre, comme la charge héroïque. Je l'ai vu 16 fois. Ah, c'est Richard, il m'attend chez lui, je dois y aller. Faudrait pas louper le début du match, tu vois. Ah, on se reverra peut-être. Peut-être, oui. Allez, ciao, Mina. Ciao. Ah, la mort. Je n'en reviens toujours pas. T'as tué nos persos. Vous l'avez pas volé. Mmh.
du compte boudé longtemps? Le temps d'oublier cet horrible après-midi. Tu m'as humiliée devant l'amour de ma vie. Ce n'est pas moi, c'est mon personnage. Les elfes détestent les gnomes. Je n'y peux rien si tu n'es pas faite pour les jeux de rôle. Allez, quoi? C'est quoi le taco? Bah, ça indique les chances que tu as de toucher un adversaire pendant un combat. C'est calculé en fonction de ta classe, de ton niveau et de tes caractéristiques. Plus ton taco est bas, meilleures seront tes chances de toucher l'adversaire. Tu comprends? Non. Oh non, mon cher Piotr. Les skips ont sans doute demandé aux arbitres de mesurer la position des pierres. Effectivement, plus. Salut. Oula, au son de ta voix, je sens que ton après-midi avec Tristan a été un fiasco. Exact, mais comment t'as fait pour deviner? J'ai juste dit salut. C'est mon super pouvoir de super copine. Et toi, tu dis rien? C'est bizarre. Oh, t'as craqué pour Pépo, c'est ça? Hein? Tu vois, on dirait que toi aussi tu l'as, ce super pouvoir. Allez, raconte. Je te reçois 5 sur 5. Je suis en position. Vas-y, je te couvre. Hey, tu te souviens que c'est ce soir la fête des voisins? Non. Super. Du coup, j'ai invité Tristan à passer la soirée avec moi. Alors, je te demande une faveur. Ne fais rien de spécial pour moi aujourd'hui, hein. Rien du tout. Pas de truc bizarre, ni rien. Comment ça? Quel truc bizarre? Ben, tu sais, ces trucs bizarres que tu fais parfois en voulant m'aider. Le genre de truc qui provoque des cafouillages, quoi. Ok? Bon, je vais voir si Gino a besoin d'un coup de main. Bye. Joss, salut. Hey, dis, est-ce que tu trouves que je fais des trucs bizarres? Oui, tout le temps. Mais bon, je ne t'appelle pas pour ça. Je suis obligée d'annuler notre déjeuner. Ah bon? Pourquoi? J'ai un gros problème. Un client vient de me refuser un projet de publicité pour une lessive. Les créatifs ont fait n'importe quoi. Je suis dans la panade totale. Ben zut alors, ma pauvre chérie. C'est l'horreur. Il faut remanier tout le spot avant ce soir. Ma secrétaire est en week-end et j'ai des milliards de choses à faire. Ben si tu veux, je peux te donner un coup de main pour ton film, là. Ben oui, t'es gentille. Mais tu sais, la pub, c'est un métier quand même. Ben oui, je sais, mais bon, je suis plutôt créative comme fille et des pubs, j'en ai vu des milliers. Enfin, si je dis ça, c'est pour t'aider, hein. Ben, ok. Après tout, ça ne peut pas être pire. Retrouve-moi à l'agence dans 20 minutes. Salut Gino. Ça va? Non, les Savorani Brothers ont été arrêtés par la polizia pour association de malfaiteurs. Leur avocat vient de m'appeler. Ils annulent les concertos de ce soir. Mamma mia! Ma réputation va être totalement ruinée. Il n'y a plus qu'à me pendre à questa festone. Et si je formais un petit groupe, je veux dire, moi au chant et Tristan à la guitare par exemple? Tu es gentil, mia cara, mais je voulais un orchestre plus maestuoso. Une grappe entière, pas seulement deux petits raisins. Bon, un orchestre, ça se trouve facilement. Tu me fais confiance? Oui. Une petite question. Vous savez jouer d'un instrument de musique? Du triangle, j'en ai joué dans un orchestre tzigane. Génial. Vous accepteriez de jouer dans mon orchestre? C'est pour la fête des voisins ce soir. Et on peut savoir qu'il y a dans ton mastringue? Eh ben, Tristan, moi... Sans doute Lucien, peut-être l'ancien, et sûrement Richard. Un orchestre avec les voisins? Cette bande de ronchons qui se disputent pour un rien. Eh bien, ce sera ça en moi.
Je monte un orchestre avec Tristan. Vous accepteriez de vous joindre à nous? Ah, la musique! Communion séculaire avec les esprits ancestraux. Oui, jeune fille, je serai des vôtres. C'est ok. J'amène mon synthé. Ma contrebasse est à ton service. Salut, dis-moi, je suis désolé Lou, j'aurais adoré venir, mais là je peux pas, on m'a pris en otage pour aller au mariage de ma tante. Oh non! Pour te sauver le coup, j'ai appelé Dédé, mon prof de guitare, tu vas voir, il est super cool. Bon, ben ok, merci, à plus tard. Salut, Dédé rock'n'roller, yeah! Écoutez, c'est gentil d'être venu, mais en fait, je préfère tout annuler. C'est impossible, c'est toi le chef d'orchestre. Tu ne peux pas laisser tomber. Oh, oui, puis en plus, j'ai acheté des piles toutes neuves, alors faut que je les amortisse. Bon alors, qu'est-ce qu'on joue? Bon, ben, je voulais commencer par jeter dans la peau, puis enchaîner avec quand tu me prends dans tes bras, et je comptais finir par c'est flou ce que je t'aime. Voilà. Moi, ça me va. Les esprits vont adorer. Ça peut le faire. Let's rock, baby. Oh non, je me marie dans 2 heures. Faut pas vous en faire, ma petite dame. Avec un stick, tout va rentrer dans l'ordre. Un stick, nouvelle formule? Non, avec un stick, nouvelle formule. Incroyable. Un stick, ça astique. Un stick, ça astique. Alors? C'est, comment dire ça avec tact? Ringard, vieillot, naze. Oui, 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 ça, je sais. Bon, tu as des suggestions, toi qui es si créative? Ben, on pourrait dynamiser le montage en raccourcissant les plans et essayer de trouver un slogan un peu moins débile. Ok, ça m'a l'air sensé. Bon, le client revient à 17h, il faut que ce soit prêt. Ah, voici justement Xavier, notre monteur. Bon, je vous laisse voir tout ça ensemble. Allez, je file, travaillez bien. Attention, 1, 2, 3. Attendez, un nom. Notre formation se doit de posséder un nom digne de ce nom. Très juste. Voyons voir. Je propose les Comancheros. Un titre de western pour un groupe de musique, c'est ridicule. Je sais. Les voisins zinzin. Ah ouais? C'est super rock'n'roll ton truc. Pourquoi pas les joyeux boy scouts tant que t'y es? J'étais boy scout, figurez-vous, et je ne vous permets pas de... Chut! Assez de mauvaises ondes. Je vois le nom de notre groupe. Daft Punk. Sans vouloir vous offenser, il me semble que c'est déjà pris comme nom. Ah bon? Et voilà, c'est le bazar total. Ah ben voilà un nom rock, bazar total. Bon, est-ce que tout le monde est ok pour bazar total? Ah non. Finalement, j'ai décidé de me joindre à vous, mais bazar total, c'est pas très chantant. J'imaginais quelque chose de plus positif, de plus rigolo, comme les voisins zinzin, par exemple. Les grands esprits se rencontrent. En parlant d'esprits, ils n'arrêtent pas de me souffler qu'ils aimaient vraiment bien Daft Punk. On vous a déjà dit non. Moi, je propose les 7 mercenaires. Non, les Belles Mirabelles. Et sinon, les Beatles. Dis-moi, Xavier, tu n'aurais pas des images d'archives par hasard? J'ai pas grand-chose. Des plans de marée noire, un incendie à Los Angeles et un vieux film japonais des années 60. Un truc de science-fiction. Rio Bravo. Zombie suicide. Les gentilles marmottes. Tendre bluette. Et Britney Spears. Ça existe, ça aussi, peut-être? Ben oui, hélas pour le rock'n'roll. Le rock'n'roll, mais on s'en fiche, mon pauvre vieux. Ah ouais, ben si on se fiche du rock'n'roll, ici je me taille. Ok, ben si c'est comme ça, moi aussi. Mauvaise sonde, mauvaise sonde. Ah, bonjour l'ambiance. Je t'avais prévenu, cet immeuble est maudit. Bonjour. Alors, comment ça se passe? Nickel, on tient un bon truc là. Et en plus, on sera dans les temps. J'espère bien. Bon, bah continue. Et n'oublie pas 17h, hein? Xav, tu pourrais monter un peu plus court le plan du rayon laser, s'il te plaît? Alors, Mialou, ton orchestre est prêt? Ben,
Non, je suis désolée, Gino. Mais ne sois pas désolée. Tu as voulu m'aider, c'est ça le plus important. Et puis, je suis bien assez forte pour surmonter cette déception, d'accord, Lou? D'accord. Ciao! Ciao, Gino. Pardonnez-moi, j'ai eu une journée démentielle aujourd'hui. Mais vous allez être enchanté par la nouvelle version du film. J'espère. Prêt? Oh, chouette, super, Astic. Merci, super, Astic. Super Astic, disparaissez, bande de tâches! C'est complètement nul! Inefficace, bien trop compliqué pour la ménagère de moins de 50 ans! Hé, restez poli! Je suis une ménagère de moins de 50 ans et je comprends très bien cette pub! Tant mieux pour vous, mais moi je refuse ce film! Et voilà! C'est vraiment sympa cette petite fête, Gino. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas d'orchestre. Du coup, je ne sais pas si je vais rester très longtemps. Hein, Boubou? Je me suis acheté un tambourin. Je ne suis pas faite pour le violon. Et toi, comme tu es musicien, tu vas me mettre au diapason. Ça doit être simple à trouver. Ça doit être simple à trouver. L'accord. Joss, bonne nouvelle. Le client a tellement détesté ton film que du coup, il a changé d'avis sur la première version. Il la trouve géniale. Bah, tant mieux. Voilà, c'est tout. Ah, je voulais te dire aussi, les trucs bizarres que tu fais dont tu me parlais ce matin, eh bien, n'arrête pas d'en faire surtout. Tu es exceptionnel. Ciao. Mais quel truc bizarre à la fin? Allô? Allô? Au premier bémol, tu t'emballes, tu prends des airs de virtuose. Je perds le rythme et les pédales, et continuer à jouer, je n'ose. On essaye de le trouver, on essaye de le trouver. L'accord parfait. Tu me dis t'es pas en cadence, t'es en retard, tu sautes des strophes. Je te tire ma révérence, bien sûr c'est la catastrophe. C'est pas facile de le trouver, c'est pas facile de le trouver. L'accord parfait. Lou, je suis revenue, j'ai pris des cours. Au fond je ne suis pas de celles qui savent taper sur des tambours. Alors je t'offre ma boîte crécelle. Il était là sous mon nez, il était là sous mon nez. Là. Il s'appelle votre groupe. Bazar total. Thank you.
Oh non, pas encore. Boulet. Et ben, qu'est-ce qui se passe? T'as reçu la facture de mon portable? Non, c'est Aldo. Il a encore fait à côté de sa caisse et je sais pas pourquoi ça me bouleverse. Ben, c'est peut-être parce que tu nettoies des flaques d'urine 3 fois par jour depuis 6 mois. Oh, c'est pas ça. Tu devrais trouver un truc pour lui faire comprendre une bonne fois pour toutes qu'il faut faire dans la litière. Ouais, ok, je vais m'y coller. Bon, je te laisse, je suis en retard. Ciao. Dans une boutique super tendance, top classe, chez Frims, quoi. Parfait. Tu as bien compris, Tornado. Tu dois faire dans la caisse, pas à côté, pas devant, pas derrière, dedans, ok? Allez. Oui, bien, c'est un bon chat, ça. Boulou, boulou, tu vas y arriver. Boulou, 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 continue. Tu peux le faire. Je te déteste. Te dérange pas? Si, mais pour toi, j'ai toujours une petite minute. Vas-y, je t'écoute. Ben, j'ai une galère avec mon chat. Toi qui as un chien un peu original, tu pourrais peut-être me donner des conseils? Je connais un comportementaliste, une sorte de psychologue pour animaux. Il fait des miracles. Et tu as ses coordonnées? Évidemment. Bon, et si tu m'expliquais un peu la situation? Voilà, il y a quelques semaines, j'ai eu une vision, la vision d'un pantalon. Je me suis levée au milieu de la nuit pour dessiner le patron. Et dès le lendemain matin, je l'ai fabriqué. Il était démentiel, avec des pompons dans le bas et tout. Franchement, sans me vanter, j'étais super contente de moi. Mais quand je suis arrivée au collège... Regarde! Oh, ah, hey Lou, on se déguise? C'est Mardi Gras ou quoi? Ils ont lâché les clowns, on dirait. Complètement grotesques, les pompons. Ça va? Non, j'en ai marre qu'on se moque tout le temps de mon look. J'ai une solution. Ça t'intéresse? Son idée, c'était de me traîner dans une boutique pour que je m'achète des fringues normales. Comme ça, plus personne ne se moquera de toi. Des fringues normales, moi, t'imagines? Bah, pour être tout à fait franc, non. Bref, Mina a quand même réussi à m'emmener faire du shopping. Tiens, ça c'est un petit haut normal. Je confirme, je le porte presque tous les jours et personne ne l'a jamais remarqué. Allez, essaie-le. Je sais pas... Hé hey, Lou, tu rêves? Ton téléphone. Non? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne vas pas le croire. Un comportementaliste va venir examiner Roudoudou. Tu penses qu'il va réussir à résoudre ce problème de fuite? J'espère bien. Je te laisse, le voilà. Bonjour, je suis Jérôme, mais pas de chichi entre nous, vous pouvez m'appeler maître. Bonjour. Alors, où est votre petit Félix Sylvestris Catus? Votre chat. Ah, Hulk! Il fait un somme. Alors? Votre petit félidé présente un profil prognato-récalcitrant, à tendance urino-anarchique, tout à fait bénin. En langage profane, cela signifie que ce petit gredin fait pipi à côté de sa caisse et ce de manière assidue. Oui, ça je sais.
Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut trouver une solution. Je ne le supporte plus. Eh bien, je vais tenter une dominantothérapie à déduction cognitive pour qu'il lâche ses tendances anarcho-désobéissantes. En langage profane, il faudra compter 75 euros. Ah oui, quand même. Il faut dire que je prends des risques. Comme vous faire uriner dessus, par exemple. Où puis-je me changer, s'il vous plaît? Dans la salle de bain. Ne craignez rien, c'est moi. Hein? Grâce à mon allure de chat dominant, votre bronne de nuit va comprendre que ce n'est pas lui qui décide. Avec moi, il va la respecter, la laitière. Ce jour-là, Mina a dû me montrer, je sais pas moi, au moins une centaine de fringues. Et cette jupe-là, tu ne veux pas l'essayer? C'est notre modèle le plus normal. C'est bien simple, toutes les filles le portent. Écoutez, je sais pas. Bien, prenez votre temps surtout. Excuse-moi. Oui? Je suis Caroline Villeroy, l'assistante de John Pierre. John Pierre? Le John Pierre? Tout à fait, the créateur de mode, l'inventeur du sac à main jetable et du sous-vêtement réversible. Waouh! Dis-moi, Trésor, d'où sortit cette merveille de pantalon avec les pompons coordonnés, là? C'est moi qui l'ai fait. Waouh, fabuleusement glam chic. Oh, vous savez, là, c'est juste un prototype. Si vous voulez, je peux vous en montrer un encore plus abouti, encore plus original. Vraiment, je suis impatiente de voir ça. Voici ma carte. Rendez-vous ici demain à la même heure. Allez, ciao, ciao. Cool, ça prouve que tu as du talent. Attends, c'est pas fini. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Je ne m'inquiète pas. Et maintenant, admirez le résultat. Il serait peut-être temps de songer à translater votre enveloppe charnelle dans un autre espace dimensionnel. En langage profane, ça veut dire « sortez de chez moi ». Attendez, il reste encore un espoir. Parfois, c'est en soignant le maître qu'on guérit l'animal. Parlez-moi un peu de votre petite enfance. J'adorais les bonbons, surtout ceux enrobés de chocolat en forme de pompe à essence. Non, je voulais dire, parlez-moi de ce qui a pu vous traumatiser. Ah, tu te rends compte? John Pierre, c'est lui qui a habillé Sarah de Manhattan, t'imagines? Trop fort! Tu m'étonnes. Je ne voulais pas rater cette occasion. Il fallait que je me surpasse. Et c'est ce que j'ai fait, je me suis surpassée. Le lendemain, je suis allée au rendez-vous et là, j'ai poireauté au moins une heure. Désolée, j'étais overbookée au showroom. Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Ben, c'est le nouveau modèle. Mais non, 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 c'est pas possible. C'est vraiment trop la loose. Ces fleurs-là, c'est grotesque. Je suis désolée, mais cette faute de goût est impardonnable. En fait, cette Caroline-là, elle m'a carrément volé mon modèle de pantalon à fleurs. Voilà pourquoi il est en vente chez Frims. Écoute, faut voir le bon côté des choses. Maintenant, tu sais que tu peux créer des fringues à la mode et c'est ça le plus important. Ouais. Allez, déprime pas, quoi. Bon, faut que je te laisse. C'est l'heure de mon cours de guitare. Bye. Ben, ok. À plus. Je ne me souviens plus très bien. J'avais peut-être 3 ou 4 ans. C'était à Mortebouze, chez mes parents. J'avais un chat. Il s'appelait Nexus 6. Un jour, pendant un repas de famille, le chat a fait pipi dans la cuisine. Je n'avais pas vu la flaque et j'ai glissé dedans. J'en avais partout sur ma robe. Ma mère a cru que je m'étais fait dessus. Elle m'a prise par la main et... elle m'a grondée. Elle m'a humiliée devant toute la famille. Tiens, c'est bizarre. Je me sens beaucoup mieux tout à coup. Oh non,
non, non. Ça dépasse les bornes. Et encore merci pour tout. Ce n'est rien. Je n'ai fait que mon boulot. Au revoir. On dirait que ça s'est bien passé avec le comportementaliste. Impec. Et toi, ça va? Je viens d'acheter du tissu. J'ai plein de coutures à faire. Mais c'est quoi ce délire? Maurice fait toujours à côté. Je sais, mais là, tu vois, je m'en fiche complètement. Hé, t'as vu ça? Les franges. Ouais, trop ringard. Complètement grotesque. Super, Lou. Désormais, la bave de ces deux crapauds ne t'atteindra plus. Exact, les amis. Parce qu'en fait, vous savez quoi? J'ai compris un truc. Je m'en fiche d'être à la mode. La mode se démode, le style, jamais. Waouh, c'est bien dit, ça. C'est de toi? Non, de Coco Chanel. Et je suis d'accord avec elle. À la piscine. Mais j'ai un gros problème. Je nage, comment dire, pas très très bien. En fait, je nage comme un fer à repasser. Ou comme une enclume, si vous préférez. Bref, j'ai peur d'être totalement ridicule. Du coup, j'hésite à y aller. Bon, évidemment, ça, c'était avant le coup de jarnac de maman. S'il te plaît, dis oui. Si j'ai bien compris, tu veux que je m'occupe d'Aurélie toute la journée? Elle s'appelle Amélie. Oui, enfin, ta copine lourdingue qui te suivait partout à la fac. Celle que tu surnommais relou-garou. Oui. La nana ringarde, timide, complexée, pas drôle et pire cuisinière que toi? Oui, elle est de passage en ville. J'ai pas pu lui dire non. J'aimerais bien rester avec elle, mais j'ai rendez-vous chez mon éditeur. Tu comprends? C'est vraiment important. Allez, ma louloute, quoi? Qu'est-ce que tu me donnes en échange? Hein? Mais c'est du chantage, ça! Un mois de ménage complet, avec litière du chat à changer, cuvette à récurer et calcaire de la baignoire à gratter. C'est du vol, mais bon, d'accord. Tu parles? J'aurais dû demander plus, oui. Je vais me coltiner Amélie toute la journée au lieu d'aller à la piscine avec l'amour de ma vie. Hé! Salut! Salut! J'imagine que tu es Lou. La dernière fois que je t'ai vue, tu étais haute comme ça. Tu es une grande fille maintenant. C'est à cause de ce truc-là, là, la croissance? Tu as l'humour de ta mère. Au fait, elle n'est pas là? Ben non, elle est chez son éditeur. Je vois, sacré Gretzel. Hein? Gretzel? C'était son surnom à la fac. Moi, on m'appelait Relou-Garou. Ouais, je sais.
C'est plutôt original. Je n'étais pas très rigolote. Et maintenant? Maintenant, j'ai un peu faim. Si on mangeait quelque chose, histoire de faire connaissance. Le frigo est carrément vide. On va à la pizzeria? Pas question, non. Si tu le permets, je vais nous préparer un petit frishti. Tada! Et voilà! Bon appétit! Alors? C'est délicieux, c'est juste surprenant. Il manque une touche de paprika. C'est une recette que j'ai apprise au Mexique. Vous êtes allée au Mexique? Tu peux me tutoyer? J'y ai vécu 2 ans, oui. J'étais reporter là-bas. Dis, après déjeuner, ça te dirait d'aller faire du shopping? Je n'ai plus rien à me mettre. Ok, si tu veux. Mais je connais pas de magasin qui vendent des vêtements. Oui, Ringard, c'est ça? J'ai pas dit ça. Je te fais confiance pour le magasin, je m'adapterai. Allô? Coucou, c'est moi. Tout va bien? Désolée, je reviens tout de suite. Je survivrai. Amélie a préparé le déjeuner. Ma pauvre louloute, c'était pas trop infâme? Ben non, au contraire, elle fait plutôt bien la cuisine. Mieux que toi en tout cas. Ah, oui, et là on va aller chez SD et CC pour s'acheter des fringues. Ça se passe pas si mal alors? Bah en fait non, on s'entend même très bien. Et toi, dis-moi, ton rendez-vous, qu'est-ce que ça donne? Bah je survivrai, à plus. T'es prête? Go! Alors? Bah comment dire, en fait ça ne te va pas du tout. Toi, en revanche, tout te va. Ouais. Mais ce que je préfère, c'est créer ma propre mode. Quand j'ai du temps, je me fabrique des fringues. C'est dingue, ça. Moi, c'est pareil. C'est marrant. Tu corresponds pas du tout à la description qu'a faite ma mère. J'ai changé depuis la fac. Ta mère aussi a dû changer, non? Je sais pas comment elle était à la fac, mais je crois pas qu'elle ait beaucoup changé. Ne me dis pas qu'elle est toujours aussi fan de jeux vidéo. Bah, plus que jamais. Les jeux ont évolué, mais pas elle. Et maintenant, qu'est-ce que tu as envie de faire après ce petit shopping? En fait, je devais aller à la piscine, mais... Je crois qu'il vaut mieux que j'y aille pas. Pourquoi? Ben, c'est bête, mais je nage pas très bien. Et j'ai peur que Tristan me trouve un peu godiche. Tristan? C'est ton petit ami? Ben... Ne t'inquiète pas, je vais te donner 2 ou 3 tuyaux et ton Tristan, il va carrément craquer. Tu crois? Fais-moi confiance. Mademoiselle, nous allons à la piscine. Auriez-vous des maillots de bain à nous montrer? Vous désirez? Voilà. En fait, je voudrais un renseignement. Les deux clientes qui viennent de partir, eh bien... Qu'est-ce qu'elles ont acheté? Bien, des maillots de bain. Pourquoi? Wow! Tu plonges super bien! Tout est une question de confiance en soi. Allez, à toi! Débrouille très bien. Voyons, ne crie pas comme ça, jeune fille. Tu vas effrayer les tardigrades. Ah, c'est vous. Vous m'avez fait peur. Amélie, je te présente l'ancien. C'est un des locataires de notre immeuble. Amélie, une amie de ma mère. Vous, je vous ai vu nager. Où avez-vous appris? Dans la baie d'Along avec les barracudas? Non, en Afrique du Sud, au milieu des requins blancs. Ah, je leur ai parié.
Méfiez-vous d'électroïdes, ils sont partout. Ne vous inquiétez pas, j'ai une dent en céramique. Bien joué, camarade. Au milieu des requins blancs, le pire, c'est que c'est vrai. Hé, hey, Lou. Salut, t'as eu mon message? Oui, tu as pu te libérer finalement? Pas vraiment en fait. Allez, viens, on va nager. Waouh! Tu plonges hyper bien. Salut, voisine. Ah, bonjour. Ne craignez rien, votre fille est protégée par une disciple du grand Matoutou. Oui, j'ai cru comprendre. Après la fac, j'ai appris d'autres langues. C'est grâce à ça que j'ai pu intégrer une ONG. C'est à cette époque que t'as écrit ton livre ? Non, ça c'était plus tard, quand je vivais au Japon. C'était un essai sur l'origine du théâtre kabuki. Quand je pense que ma mère galère grave pour écrire le sien. Hé ! Mmh. Ah, coucou ! Hé, hey, ben. Gretzel ! Salut Amélie ! Maman ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Eh bien, je... Attendez, j'arrive ! Mon rendez-vous chez mon éditeur est terminé. Voilà. Et vous, c'était sympa? Ah oh ouais, on revient tout juste de la piscine. Tristan a trouvé que je nageais super bien, grâce à Amélie. Ah oui, ça a dû te faire plaisir. Tu m'étonnes, elle est géniale, Amélie. Tu sais qu'elle danse le flamenco et qu'elle a passé 6 mois dans une lamasserie au Tibet? Sans blague. Et je suis sûre qu'elle a fait au moins 10 fois le tour du monde. Non, 4 fois seulement. Super. Eh bien, moi, je ne parle que le syllabe. J'ai écrit un roman que personne ne lira. Ma vie amoureuse est un fiasco. Et pour couronner le tout, d'après ma mère, j'ai raté une glorieuse carrière de postière à Mortebouze. Et maintenant, vous m'excuserez, mais je vais rentrer dans mon appartement minable pour prendre un bain. Bah, qu'est-ce qui lui prend? Je crois savoir. Tu sais, maman, quand je dis qu'Amélie est super, ça veut pas dire que je te trouve pas super. Toi aussi, c'est juste que... Écoute, il y a longtemps que je voulais te dire quelque chose. Quand j'étais à la fac, je n'avais vraiment pas confiance en moi. C'est à cette époque que j'ai rencontré une fille que j'admirais beaucoup. Tellement que je n'arrêtais pas de lui coller au basque. Et ce n'était pas facile pour elle, tu vois, parce qu'elle élevait un enfant tout en faisant des petits boulots et en continuant ses études. Et pourtant, même si elle ne dormait plus pour pouvoir travailler et avoir ses diplômes, tout en s'occupant de son bébé, elle m'a aidée. Cette fille a toujours été un exemple pour moi. Sans elle, je ne serais jamais devenue la femme que je suis maintenant. J'ai toujours voulu la remercier pour m'avoir donné le courage d'affronter la vie. Alors voilà, c'est ce que je fais. Merci, Gretzel. Une petite partie? Tu sais, pour ça, je n'ai pas changé. Je suis toujours aussi nulle. Justement. D'accord, mais juste une partie, hein.